Je m'appelle Émilie, j'ai 21 ans et je suis en job d'été en soutien pour l'événement Nouméa Plage de la ville de Nouméa. Le prochain groupe, c'était vous quatre, ok. Le groupe de Gloria, Léla, c'est vous, hein, avec Ethan. Vous pouvez déjà mettre les gilets de sauvetage si vous voulez. Faire trompette juste là et avancer bien jusqu'à la troisième bouée qui est dans l'eau. C'est bon? Comme ça, elle va faire le demi-tour et vous avez juste à monter sur la bouée. Là, je gère les inscriptions pour l'activité de bouée tractée. C'est de 9h à 11h30 aujourd'hui. Et le but, c'est de faire des groupes de 4 par rapport à la bouée qui a été gonflée ce matin par le prestataire. On va voir les conditions, si elles sont remplies pour maintenir l'activité cet après-midi encore. Et si ce n'est pas maintenu, on va devoir orienter le public vers les ateliers plutôt tressage, plutôt détente, pour les enfants ou pour les grands. Si je ne suis pas aux inscriptions, je vais aller là. J'ai besoin de toi pour porter telle chose, j'ai besoin de toi pour déplacer tel atelier. Et ben, je vais aller en renfort pour la personne qui a besoin de moi pour son atelier. L'aspect que je préfère dans mon travail, c'est en fait la discussion et le partage au niveau, là on peut dire, de la logistique. C'est-à-dire on partage entre nous, on se pose des questions, on demande si on va bien, on demande est-ce que ton atelier ça se passe bien. C'est ce qui va nous permettre d'évoluer sur le plan de l'organisation, sur le plan de vivre un bon moment en fait, même entre collègues, pour pouvoir amuser et faire passer un bon moment au public. Ce que je vis ici en ce moment, c'est complètement différent de ce que j'étudie. Je suis en licence de physique chimie. C'est les molécules, c'est les formules mathématiques qu'on applique en physique. Et vraiment là, c'est un autre domaine, mais j'adore. C'est vraiment un bonus, c'est un panel que je peux rajouter à ce que j'ai en expérience, mais aussi un réseau que je me crée. Et c'est vraiment une chance incroyable de vivre ça aujourd'hui.